On est en plein cœur de Paris. On va attendre que le live démarre. N'hésitez pas à partager le live. Pour l'instant. Bonjour à tous, bienvenue sur le live. Nous sommes en plein cœur de Paris, rue des Poissonniers. Aujourd'hui, il devait y avoir un rassemblement ou une manifestation sur la place enfin, à Barbès. Et en fait, ça a été refusé par la préfecture de police. Et du coup, aujourd'hui, même à Barbès, il y avait énormément de dispositions de forces de l'ordre, contrôle d'identité. Il y a quand même eu un groupe de rassemblement en soutien à la Palestine. Il y a eu quelques tensions entre policiers et manifestants, des contrôles d'identité, des arrestations et des lacrymogènes. Alors, vraiment, pour me soutenir, c'est totalement gratuit. Pour me soutenir, n'hésitez pas à partager le live. Un maximum, vous êtes 74 sur le live. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager. Bah écoutez, là, la manif s'est un peu dispersée. Parce que là, on est sur une rue où il y a énormément de gens. Donc il y a eu une intervention de la BRAVEM pour faire disperser les manifestants. Canon à eau à Barbès. Il y a une tension, il y a une tension. Attendez, il y a une tension. Il y a une tension, ça court de partout, ici même, en plein cœur de Paris. Ça court de partout, c'est l'anarchie. Ça court, ça matraque, ça gaze. Partagez, partagez, partagez. C'est grave. Voilà, ça a gazé, hein, sœur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui s'est passé entre manifestants et policiers. Matraque, gaz, lacrymogène, contrôle d'identité, on a des problèmes de réseau. Je sais pas, 55, donc... ça redescend. Ça charge. La police a dit ça charge, donc ça charge. Oh, regarde, c'est bon. Ouvre la porte au lieu de paniquer, faut pas paniquer, ouvre la porte. Ouvre la porte, non, ne panique pas. Attends. Ne panique pas, il faut non, non. Non, il faut pas. Viens. Viens, viens, attends. Attends, attends. Elle est où ta maman? Elle est sur
T'habites tout, tu fais quoi ici? Ici, ma mère est morte. Va là-haut, c'est fini là-haut. Il y a un petit enfant qui paniquait enfermé dans... Il y a un petit enfant qui était tatanisé. Ah, je vois plus rien, je ne sais pas ce qui se passe sur le live. Aujourd'hui, comme chaque jour, c'est pas marrant, c'est pas rigolé ce qui se passe. Excusez-moi, en fait. Voilà, je vous explique, il y a un enfant de à peu près 10 ans qui s'est réfugié dans un immeuble, complètement tatanisé, paniqué, il se frottait les yeux. Maman, maman, maman. Aucun secouriste, personne. Donc du coup, je lui ai dit, c'est bon, calme-toi, il faut pas crier, il faut pas étouffer dans ce genre de situation. Je pense qu'il a plus eu peur, plus de peur que de mal. Allez, on y va, on va reprendre. On reprend. Le truc, c'est qu'à partir du moment qu'il y a une charge policière, enfant, adulte, personne âgée ou autre, tout le monde est dans le même mot, hein, même journaliste, machin. Donc n'hésitez pas à partager le live. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Manifestation des Palestiniens, de la Palestine qui est interdite à Barbès. Le rassemblement a quand même eu lieu. Et du coup, énormément de forces de l'ordre qui demandent aux manifestants de disperser. Et il y a des manifestants hein, qui a, avec de la tension, hein, avec la police entre les deux, ça a été un petit peu tendu. Des manifestants qui ont tenté de faire des barricades. Donc, je vois pas grand-chose, mais on va se débrouiller. Ouais, c'est les palettes de lacrymogènes en fait. On va remettre le masque. Bonjour, vous êtes 95 sur le live. Alors, vous pouvez partager pour me soutenir. C'est totalement gratuit, tu vois. Là, vraiment, c'est simple. Vous partagez un maximum sur les réseaux sociaux parce que Facebook censure énormément. Facebook n'avertit pas la notification et ça, c'est embêtant. Aujourd'hui, le sujet sur le live, c'est la Palestine. Ce qui se passe en Palestine. Du pourquoi et comment. Pour l'instant, nous sommes en plein cœur de Paris, rue à rue, où en fait la police disperse les manifestants. Merci à vous, c'est juste une manière de partager, de soutenir mon travail au cœur de l'actualité. Alors n'hésitez pas, on peut dépasser la barre des 200 en direct. On peut, c'est possible. Alors, j'ai dû faire des prises d'images, mais quand je suis arrivé sur Barbès tout à l'heure, j'ai vu un groupe de personnes criant de colère de ce qui se passe en Palestine, et une forme de soutien à la Palestine. La police est venue en disant « manifestation interdite ou rassemblement interdit, on vous demande de partir ». Les Palestiniens ou les manifestants ou le soutien, ils ont dit « non, on reste ». Donc la police a commencé à charger avec le canon à eau et par la suite la BRAV est venue intervenir. Et là pour l'instant ça court de rue en rue entre policiers et manifestants. Thank you.
Attention, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Je le répète énormément, de policiers dans Paris. Toujours rue des Passionniers. Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire si la vidéo est propre, parce qu'il y a des problèmes de réseau. Policier, alors, je tiens. Vous m'entendez, voilà. Je vous le rappelle qu'aujourd'hui, la tension est là sur Paris. C'est très tendu parce que ouais. Oui, je sors là-bas. J'ai entendu. J'ai dit bonjour, on sort. Voilà, j'ai entendu. Voilà le canon à eau. Ça court de partout, les forces de l'ordre chargent les manifestants, énormément de manifestants au cœur de Paris aujourd'hui. La colère, les soutiens aux Palestiniens, à la Palestine. On ne sait pas où mettre la tête parce que ça va de partout. Il y a de plus en plus de gens en plein cœur de Paris. Ça va, René? Ouais, il m'a frappé. Il a frappé dans mon téléphone avec un coup de frappe. Après, il m'a plaqué contre le mur. Et voilà, donc, voilà, c'est triste à dire, mais. Des reporters d'images ou des journalistes comme Rémi Debrut se fait encore embêter par les forces de l'ordre. Du style, je pense que ça convenait pas qu'il était à tel moment à filmer. Hein. Bon, c'est là où c'est difficile de rester assez calme parce qu'au bout d'un moment, on en a marre. Est-ce que l'image dérange ou la vidéo dérange? Je sais pas, mais la tension est là. Non, tu sais, tu peux, mais tu risques de te faire embêter. Comment je peux passer pour aller là-bas? Ah bah tu tentes, après ils vont te dire non, mais il faut tenter. Ça se passe là-bas ou pas? Partout, mais il faut attendre. Il faut...
C'est partout, à en mon fait. Avis, c'est là que ça tape. Alors, petit briefing. Rassemblement à Barbès, même si c'est interdit. Ouais. Les gens, bon, bah, dispersés, non, on n'a pas envie. Charge policière, ça va dans toutes les rues. Ouais, là, et là, on est revenu sur, sur Barbès. Là, on est bien. Là, on vient de revenir sur Barbès. Ah, ouais. T'étais en bas, là ouais, rue Poissonnier. Vite, 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 vite. Monsieur, on est journaliste. On est journaliste, chef. Là, 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 là. Voilà vraiment la tente. On peut passer de l'autre côté? Non. Bah on fait comment là? Non, on bosse, madame. On bosse. Madame, madame, par respect, juste par respect, je vous dois. Mais on peut aller de l'autre côté, chef. Au moins, on va de l'autre côté, on ne vous embête pas. Ok, merci beaucoup. Merci. Venez vous montrer vos cartes, collègues. Je vais ouvrir. Bonjour. Je suis en live. Comment je fais? Bah non, je travaille, vous travaillez, monsieur. Je dis quoi aux gens, j'arrête le live? Non. Bah voilà. Vous faites le travail, vous je fais bien, monsieur, d'accord? Mais c'est compliqué. Ouvrez vos sacs, monsieur, s'il vous plaît. Merci à vous, monsieur. Voilà, chef. Très bien. C'est compliqué, c'est la tension. Aujourd'hui, la tension, elle est là. On essaie de faire notre travail. Ils font leur travail, on fait notre travail, mais c'est un petit peu compliqué, tendu. On va attendre au contraire. C'est compliqué, c'est vraiment. C'est pas évident. Bon. Ok, merci. C'est bon. Allez. La place. Vous avez bien fait, monsieur. Merci. Merci, c'est mieux d'être venu pour moi, écoutez-moi au début. Mais voilà les amis, hein, c'est comme ça, on peut faire de l'autre côté. Alors écoutez, pour l'instant on va faire un petit peu le tour parce qu'il y a énormément de monde avec des t-shirts, des pancartes, des slogans de la Palestine. Nous sommes dans le 18e arrondissement. Oh.
a rien là-bas. Je t'envoie la vidéo, là où tout le monde vient. Et il y a quoi là-bas? Bah, il y avait d'autres manifestants de l'autre côté. Tu vois, nous, ils ont changé d'un côté. Ouais, ça va être facile. Allez, on y va, on va courir un petit peu. Vous allez courir un petit peu avec moi au plein cœur de Paris. N'hésitez pas à partager le live, énormément de censure sur les réseaux sociaux. Alors toujours, toujours en plein cœur de Paris ici même. N'hésitez pas à partager. Vas-y, on arrive. Merci. Ça court de partout. Hein. Voiture. Bah, je suis allé ce matin. Ouais, je sais, ouais. Alors les gens courent parce que lacrymogène, c'est les palettes de la c'est ça que les gens courent dans la rue. Ça court de partout. T'es là-bas ? Là, vous pouvez me dire ce qui se passe. Bonjour madame, vous êtes en colère? Oui. Je vous écoute. Votre revendication aujourd'hui. En colère parce que vous ne laissez pas le droit vous tenter. Quelle bonne éducation que vous donnez à votre fils, major en l'air? Mais dites donc. Attendez, attendez. Quelle bonne éducation que vous donnez à votre fils? Rien, vous ne comprenez à cette cause-là. Ça se voit, vous êtes une éducatrice et une génération. Les manifestations contre l'Israël et en faveur de la Palestine sont interdites déjà. Vous n'en savez rien. Interdites par qui, madame? Ouais. Alors les colonies, elles ne sont pas interdites, les colonies. Tuez des Palestiniens, c'est interdit. Je vous tue des populations. Occupez des terres qui ne vous appartiennent pas. Occupez un pays qui ne vous appartient pas. Occupez des territoires qui ne vous appartiennent pas. La vous êtes contre les résolutions de l'ONU, madame. Vous êtes contre les résolutions de l'ONU. Sac de poulet. Donc madame n'est pas contente que les manifestants ou les Palestiniens qui défendent ou qui soutiennent enfin, la Palestine, donc c'est très compliqué aujourd'hui. Occuper la Palestine, c'est permis. Salopard, tuer des Palestiniens.